le Club Husky, quand je l'annonce, là, je veux dire Club Husky, mais qu'il se passe plusieurs activités. Avant, c'était concentré sur le ski de fond. Maintenant, c'est concentré sur 4 disciplines. Marche, vélo, raquette et ski de fond. Le projet comme tel, c'est qu'on se rendait compte que la demande était là, que ça grandissait, mais qu'on n'avait pas assez d'équipement pour répondre à cette demande-là. Ça fait qu'on s'est dit, il nous faut plus de ski, il nous faut aussi des fat bikes qu'on avait introduit ça au club il y a peut-être un an, mais là, il en fallait plus parce que la demande était là. Fait que le projet, c'était de s'équiper en équipement sportif. Puis d'autres choses qu'avant, ben on n'avait pas nécessairement les moyens, puis c'était pratiquement des nécessités. Ça fait que quand on a vu UNI, on a dit, ben avec 50 000 $ on est capable d'aller chercher de l'outillage puis de l'équipement additionnel. Bravo à UNI, voilà! C'est lui notre plus gros impact. Fait que ça, l'impact que UNI a fait pour le Club Husky, ça, c'est indescriptible. Ça, c'est hors de ce qu'on s'attendait. Puis c'est grâce à UNI, voilà, qu'on s'est mis vraiment sur la map.